les adversaires, Yvon. Oui, Tizio, le boxeur de l'Union soviétique, est le favori de sa catégorie pour remporter la médaille d'or. Âgé de 19 ans seulement, 1m67, il a mérité une médaille d'argent au championnat du monde junior à Cuba en 87. S'est mérité l'or ici à la Coupe de Séoul, un tournoi pré-olympique. Il s'est mérité l'or aussi à Jakarta, plusieurs tournois internationaux. Tizio, qui, soit dit en passant, est d'origine sud-coréenne. Ses grands-parents étaient d'origine sud-coréenne. Leopoldo Cantancio, lui, un boxeur très expérimenté, 25 ans, a participé aux Jeux olympiques à Los Angeles en 1984, a terminé cinquième, c'est-à-dire avait remporté trois combats, a remporté l'or à la King's Cup récemment et médaille d'argent aux Jeux asiatiques en 86. Et Cantancio, qui est un pugiliste gaucher contre le droitier soviétique Tsiu. Jusqu'à maintenant, on s'est particulièrement étudié, cherché à trouver l'ouverture. C'est haut ici, je pense qu'il y a eu un coup, mais en même temps un déséquilibre. L'arbitre intervient pour donner le compte de répit à Cantancio. Il semble, chez les 60 kilos, qu'il y a de la lourdeur dans les coups, Yvon. Oui, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le coup était très précis. On a vu Cantancio qui est descendu directement. Et là, il y va, et c'est encore une fois la main droite de Tsiu qui a fait les dommages. Il n'y aura même pas de compte. Tout de suite, l'arbitre s'affaire sur Cantancio. Il est tout simplement hors combat, effectivement. Ça a duré quelques secondes à peine. Le temps de donner, comme on l'a fait, Yvon, un petit peu, le palmarès, le pedigree des deux pugilistes et celui qui est au tapis présentement, Cantancio, a quand même passablement d'expérience, plus âgé, sauf que la puissance de Tsiu vient de faire son œuvre. Cantancio était vraiment ébranlé sur le premier coup qu'il a reçu de Tsiu, n'a pas récupéré et aussitôt que Tsiu est rentré sur lui, ça en était fini. Tsiu ici a prouvé, a démontré plutôt pourquoi il était considéré comme premier favori de sa catégorie pour remporter une médaille d'or. Oui, Tsiu va même prêter main forte aux médecins et aux hommes de coin de Cantancio pour aller le réconforter, le reconduire d'abord dans son coin, le réconforter. Je dois avouer bien honnêtement que le tout premier coup, la première chute de Cantancio m'avait paru un peu un genre d'or d'équilibre parce que je ne croyais pas que le coup avait vraiment porté. Sauf que dans l'angle où nous étions, ça pouvait peut-être se comprendre. Mais Cantancio est tombé directement, n'est pas tombé vers l'arrière, mais bien directement sur ses appuis. À ce moment-là, on ne peut pas perdre d'équilibre de cette façon-là. C'était vraiment un coup qu'il avait reçu sur la mâchoire et à mon avis, ça ne portait pas à confusion. Le deuxième est encore pire, évidemment. Le deuxième était sans équivoque. De tout son long. Mais c'est vrai que de la position d'où on est, on peut peut-être sentir que c'était une espèce de déséquilibre, mais de la façon dont il est tombé dans la première séquence de sa chute, il n'y avait aucun équivoque. Dans la première séquence, ce que je croyais être un peu un ordre d'équilibre, c'est que je croyais qu'il y avait aussi perte d'équilibre. Les pieds ont semblé se rencontrer, pied droit contre pied gauche, mais effectivement, il y a un coup qui a porté. Et dans le deuxième, il n'y avait absolument aucun équivoque. Tsiu a fait preuve de puissance. Le ravage y est. Tsiu, après quelques secondes seulement, remporte son combat préliminaire pour l'Union soviétique. Bon, ben...